bien-aimé de Dieu, shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes réunis en ce matin dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un privilège encore de nous retrouver en ce matin. Un privilège encore de pouvoir unir nos âmes, unir nos voix à celles des anges et des saints pour simplement rendre grâce à ce Dieu fidèle, à ce grand Dieu qui te donne à toi et à moi et à tout un chacun de nous de pouvoir nous réveiller en ce matin. Lui dis merci pour la nuit qu'il nous a donné de passer. Lui dis merci pour ses bontés qu'il renouvelle en ce matin. Lui dis merci pour sa main posée sur chacune de nos vies. Et en ce matin et au travers de cette prière, éternel Dieu, éternel Roi, nous voulons bénir ton nom. Et nous voulons prendre appui sur le livre de Job, au travers de la première lecture de ce jour. Job, ton serviteur, Job, ton bien-aimé. Et au travers de Job, Seigneur, tu nous permets de comprendre ceci. Souvent, nous sommes dans une situation, nous traversons par moments des eaux troubles et par moments, nous avons beaucoup de questions sans réponse. Et dans ce silence, le doute vient nous assaillir. Et par moments, la foi nous quitte, l'espérance en toi nous quitte. Mais ce silence n'est pas un refus de nous répondre. Mais tout simplement dans ce silence, tu viens nous réapprendre à marcher avec toi. Tu viens nous réapprendre à compter sur toi. Tu viens nous réapprendre à te prier. Tu viens nous réapprendre à réellement aspirer à ce que tu es. Au-delà de ce que tu peux nous donner, au-delà du miracle, la vraie personne que tu es, le Dieu rempli de compassion et d'amour pour tout un chacun de nous. Et à l'image de Job, éternel Dieu, en ce matin, nous voulons tout simplement te demander de jeter encore un regard d'amour sur toutes ces familles. De jeter encore un regard d'amour sur nos différentes nations, sur ces enfants, ces orphelins qui cherchent des foyers. Seigneur, nous te prions et en ce mois béni du rosaire, par Marie, notre mère, qui vient te présenter chacune de nos vases et de nos jarres vides, qui te plaise de les remplir comme ce que tu as fait pour Job, parce que nous reconnaissons ta magnificence et ta gloire. Ta gloire.
Dans cette situation, fais-moi voir ta gloire. Dans cette autre trouble dans laquelle je suis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans ces différentes nations, Seigneur, fais-leur voir ta gloire. Seigneur, au sein de nos maisons, de nos familles respectives, fais-nous voir ta gloire. Par l'intercession de Marie, notre mère, et de tous les anges et de tous les saints, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Quand bien même nous serons tentés, quand bien même le doute viendra, que la peur viendra, Seigneur, que nous puissions sortir de là afin de pouvoir voir ta gloire, te voir à l'œuvre dans chacune de nos vies. Alors, bien-aimé de Dieu, c'est dans cette atmosphère et dans cette mouvance que je te souhaite de passer une agréable et sainte journée. Que l'Éternel Dieu des armées encore te fasse du bien au travers, tout au long de cette journée, qu'il vienne encore visiter tous les compartiments et domaines de ta vie. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.